Novak Djokovic, qui lâche un set devant un public hyper chaud, voire un petit peu hostile, aura-t-il les ressources suffisantes pour assumer son statut d'ennemi public numéro 1 à New York sur cette quinzaine? Alexander Zverev de son côté, qui rajoute une énorme couche culotte au pause pipi de Tsitsipas, c'est le programme de votre deuxième digest de l'US Open, c'est parti. Et on attaque ce côté réseau par la pause pipi de Tsitsipas qui continue à faire parler après ce qui s'était passé à Cincinnati et au premier tour à l'US Open face à Andy Murray. Eh bien, l'Écossais a remis une couche sur Twitter hier avec son humour sucré-salé habituel. Fait du jour, il nous dit il faut deux fois plus de temps à Stefanos Tsitsipas pour aller aux toilettes qu'à Jeff Bezos pour voler dans l'espace. Intéressant. Alors la punchline, elle est quand même assez croustillante. Et on a cet article également de Laurent Vergne avec un Alexander Zverev qui a dérivé sur ce sujet de lui-même et qui a ensuite été questionné sur les pauses pipi de Tsitsipas. On s'en souvient, à Cincinnati, en demi-finale, on avait eu une petite anicroche entre les deux hommes par interposition de l'arbitre. Et donc Laurent qui nous explique, après le coup de gueule d'Andy Murray, Alexander Zverev ironise lui aussi sur l'attitude de Stefanos Tsitsipas. Et on a quelques petits morceaux choisis que je vous ai mis en couleur. Alors qu'il était interrogé sur Novak Djokovic et le statut de grandissime favori du numéro 1 mondial, l'Allemand a eu cette réponse. Oui, il est le favori, mais d'autres joueurs jouent bien et ont faim. Daniil était en très grande forme. Je pense que Stefanos peut être fort s'il ne fait pas un aller-retour sur la Lune, donc référence au tweet d'Andy Murray que tout le monde a vu, tout le monde a lu, tout le monde a commenté, Nick Kyrgios également, pour aller aux toilettes, ça pourrait aider. Petit smile, désolé, il fallait que je la fasse, on peut le comprendre. Du coup, une fois qu'il a mis le sujet sur le tapis, il a été relancé par les journalistes avides de petites punchlines, c'est normal, c'est le métier qui veut ça. Et donc en rouge, ça arrive à chaque match, ce n'est pas normal, il est numéro 3 mondial, il est l'un des meilleurs du monde dans son métier, il n'a pas besoin de faire ça. Tu fais ça quand tu es junior, en challenger, à la rigueur, pas quand tu es numéro 3 mondial. Et il y a un point qui est très intéressant, je trouve, également, c'est en orange. Oui, vous avez le droit de le faire, parce qu'on en a parlé hier dans la vidéo, c'est autorisé par le règlement, mais il y a une sorte de règle tacite entre les joueurs pour ne pas en abuser, et ça, c'est un point très intéressant. On va s'arrêter quelques instants, et notamment sur un commentaire qui a été posté sous la vidéo d'hier. Et le commentaire, le voici, c'est Simon Chen qui l'a posté, et je l'ai épinglé parce que je l'ai trouvé très intéressant. Maintenant, ma critique est la suivante, en vert. Est-ce que le tennis a pas aussi un peu besoin de comprendre que les crasses et les coups de paix, ça fait partie du sport? Je veux dire que c'est dans le règlement, donc tolérer, je pense que le tennis a besoin de s'éloigner et de s'émanciper de cette image de sport de gentil. Ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on a eu des bad boys dans l'histoire du tennis, McEnroe, Connors, etc. dans les années 70-80, et là on a désormais un Nick Kyrgios, un petit peu Novak Djokovic d'ailleurs, on va en parler d'ici quelques instants. Après, est-ce que c'est vraiment un bad boy, ou est-ce que c'est pas un peu le narrative des médias occidentaux qui ont concouru à cette idée, à cette perception du public global? En bleu, au final, le sport, c'est pas seulement de la technique et le mental rentre en ligne de jeu, ça je suis complètement d'accord. Les joueurs doivent avoir faim, et parfois la faim justifie les moyens, c'est très intéressant comme vision, je trouve. Je pense que cette nouvelle génération vient aussi de milieux culturels et sociaux différents, et leur dalle de trophée devient l'excuse pour transiger avec cette sorte de code d'honneur. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce commentaire justement de Simon Chen. Je trouve que c'est très très intéressant, ça montre aussi à quel point on arrive dans une nouvelle génération qui est prête à briser les codes. On a toujours un petit peu ça, hein, quand une nouvelle génération qui arrive, on se souvient de Sampras Agassi après la génération McEnroe, pareil, briser les codes, nouvelle technologie avec des nouvelles raquettes, etc. Et tout ça en quelque sorte, c'est un petit peu le cercle de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, et en plus, c'est ce que vraiment Tsitsipas a inventé. Ses pauses pipi, je ne crois pas. On a parlé de Novak Djokovic, de Rafael Nadal, d'autres joueurs également qui ont eu recours à ces pauses dans les 10, 15, 20 dernières années. C'est quelque chose qui arrivait, mais un petit peu moins, et les pauses étaient moins longues. En tout cas, voilà, on a un abus du règlement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et de ce commentaire justement de Simon, très pertinent. Et on enchaîne avec la deuxième info de ce côté réseau. Novak Djokovic a-t-il été hué par le public new-yorkais? C'est une question que beaucoup se posent si vous n'avez pas regardé la rencontre. Dans le deuxième set, précisément, dans la deuxième moitié du deuxième set, on a entendu beaucoup de Rune. Et en fait, c'était le public américain qui supportait Rune, mais je trouve que la ligne a été un petit peu bizarre à étudier, parce que on a eu l'impression d'un côté que le public était derrière Rune, ce qui peut se comprendre parce que les Américains aiment bien les underdogs, et en plus n'ont pas forcément un gros a priori positif sur Novak Djokovic. On se souvient de la finale 2015 contre Roger Federer, la finale de la honte, hein, où le Serbe avait été hué, conspué, et même les commentateurs à l'époque étaient totalement pro-Federer, c'était assez malaisant, assez cringe à suivre. Et là, on s'est encore retrouvé dans une situation un petit peu limite, un petit peu hostile à l'égard de Novak Djokovic, qui est décidément l'ennemi public numéro 1 à New York, avec des applaudissements après ses premières balles ratées, notamment dans le tie-break qu'il va lâcher contre Rune. On va en parler d'ici quelques instants dans le coin tactique de cette rencontre. Il y a deux points très intéressants que j'ai envie de souligner avec vous. Et puis, Djokovic, qui a dit en conférence de presse, de toute façon, ce n'est pas une atmosphère idéale pour moi.
mais j'ai appris à la gérer. On se souvient également dans le 5e set de la finale contre Roger Federer à Wimbledon en 2019, où il avait dit, soi-disant, qu'il n'entendait pas les Roger, mais des Novak à la place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche mentale de Novak Djokovic. Là, je vous renvoie à l'article de Rémi Bourrière sur Eurosport. Encore une fois, on les cite. La puissance du moment présent, il a beaucoup parlé là-dessus en conférence de presse après sa victoire contre Rune au premier tour. L'atout est l'ennemi numéro 1 de Novak Djokovic dans sa quête du Grand Chelem, et une cote assez intéressante en jaune. Évidemment, j'ai très envie de gagner, de remporter ce titre et de rentrer dans l'histoire, mais en même temps, je dois me concentrer à être la meilleure version de moi-même chaque jour. En bleu, je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est une grande force d'être dans l'instant, de travailler mentalement et émotionnellement à rester concentré sur le moment présent. C'est ce que j'essaye de faire avec ma propre routine, qui est certainement différente des autres joueurs. Donc très intéressant à suivre, évidemment, Novak Djokovic sur ce tournoi, voir comment il va réussir à gérer la pression, gérer également l'hostilité du public new-yorkais. Là, c'était un petit exemple sur ce premier tour dans cette night session contre Rune, mais je pense qu'il va devoir vivre avec ça sur ses 6 prochains matchs s'il arrive en finale. Ça va être fascinant à suivre, surtout connaissant le poids historique qui pèse sur ses épaules, un 21e Grand Chelem, un 4e Grand Chelem consécutif sur cette année 2021, pouvoir marquer l'histoire à l'US Open sur un tournoi qu'il a remporté entre guillemets simplement que 3 fois. D'ailleurs, on va parler immédiatement là dans le coin tactique de sa performance contre Rune. Et on enchaîne donc avec le coin tactique et ce match entre Djokovic et Rune, 4-7. Donc Novak Djokovic qui lâche un set comme sur son premier tour à Wimbledon, où il avait lâché un set contre Jack Draper. Et il y a un point très intéressant au niveau tactique que j'aimerais étudier avec vous, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le coup droit lesté de Novak Djokovic. Ici, on le voit, donc il est assez loin de sa ligne de fond, il est à 1m50, et il va décocher une superbe frappe très lourde, très profonde, qui va aller se loger dans la lucarne. Pour Rune, ça va être impossible de couvrir ce côté. Et on le sait, quand Novak Djokovic est arrivé sur le circuit, il avait déjà un revers à deux mains très performant. Bon, certes, il l'a légèrement amélioré au fil du temps, mais c'était déjà un atout majeur dans son jeu. Par contre, son service était ok tiers, et son coup droit, c'était coussi coussin. Il y avait certaines fautes, ça manquait un petit peu de lourdeur, notamment sur terre battue. Ce qui s'est passé pour Novak Djokovic, c'est qu'il a étudié le matériel, et désormais, il a donc lesté son cadre à gauche et à droite. Il y a des petits points, ça c'est quelque chose que le grand public n'est pas forcément au courant, certains d'entre vous, je pense, le savent. Et ces deux petits lestes sont très efficaces, notamment sur son coup droit et sur son service, quand il est délié, quand il y a une vraie traversée avec la raquette, une accélération avec la tête de raquette, parce que les poids agissent à l'impact et donnent de la lourdeur, de la profondeur, de la vitesse, et transpercent en fait l'air. Il y a beaucoup plus de poids dans l'air de traverser, parce que on a un impact qui est plus fort. Ça a été mis en place très clairement pour contrer la puissance naturelle de Rafael Nadal, et notamment sur terre battue, je pense, même si on le voit, c'est très efficace également sur cette surface. Ça fait depuis 2013 que Rafael Nadal n'a pas battu Novak Djokovic sur dur, et notamment grâce à ses lestes sur le coup droit et sur le service. Deuxième palette, un point très important de cette rencontre, ça a été la baisse au service, baisse significative dans la deuxième manche. Il y a 49% de première balle simplement dans cette manche, et puis ici on va le voir, une double faute assez hideuse dans le milieu du filet pour rendre le break à Rune. Alors qu'il était mené 3-0, il arrive à se détacher 4-3, puis il rend le break de cette façon. Donc 5 doubles fautes au total dans ce set simplement, 7 dans l'ensemble de la rencontre. Donc ça a été un point assez négatif pour lui. On le sait également, il y a un service que j'aime beaucoup de Novak Djokovic, j'en parle tout le temps, c'est le service court croisé sur première, mais surtout sur deuxième, sur le côté égalité, qui lui rapporte tant de points et qui lui met dans une séquence très positive, très vertueuse ensuite pour lui, parce qu'il a plus qu'à s'appuyer sur un retour et avancer de l'autre côté. Des schémas très simples pour Novak Djokovic. Et justement, on le voit, quand son service l'abandonne et qu'en face on a un mec qui y croit, qui est très agressif, on va en parler dans la prochaine palette, et bien il peut connaître quelques difficultés. Donc vraiment à suivre sur ses prochains tours, sa qualité de première balle, sa qualité de service. Un petit mot rapide quand même sur Rune, qui a fait une performance vraiment de grande qualité, je trouve, dans cette deuxième manche. Ici on le voit célébrer, il a souvent mis le point en l'air, agité son point. Ici ça a été un gros passing là pour faire le break, un break blanc d'ailleurs, mené 2-0 dans cette deuxième manche. Rune, super attitude. Je pense d'ailleurs que certains fans de Rafael Nadal sur la chaîne vont devenir fans de Rune. On a vraiment un ADN qui est assez similaire, un mec qui se bat, un mec qui donne beaucoup d'énergie, un mec qui est très positif sur un court de tennis. On l'avait avec le sourire d'ailleurs parfois quand il a remporté des points contre Djokovic. Donc un mec qui a kiffé sa life. Ça faisait très très plaisir de voir ce joueur performer de cette façon contre Novak Djokovic, être sans complexe. Et on enchaîne très rapidement 3 palettes à la volée pour vous montrer ce qui s'est passé également dans cette journée. D'abord, gros coup de cœur, énorme coup de cœur sur Maxime Cressy, qu'on voit faire un chip and charge ici, avancer et déposer une volée absolument magnifique. 4 balles de match sauvées face à Karen Augusta. On est sur du 46 ace, attention, hier soir pour Maxime Cressy, qui est un véritable bombardier, mais surtout 97 montées au filet. Moi je me suis régalé, le nom de la chaîne vous indique quand même que je suis un amateur du service volé. Définitivement, ce Maxime Cressy a obtenu son pass VIP sur cette chaîne. Si quelqu'un le connaît d'ailleurs, je suis chaud pour une interview, let's go. Un mot très rapidement aussi sur Jérémy Chardy, la mouillette de Jérémy. Ici, balle de 7, gros service extérieur sur le revers de Matteo Berrettini, qui à bout de bras renvoie une balle un peu mollassonne au milieu du court. Qu'est-ce que nous fait Jérémy dans cette séquence? Il recule, il avance,
il sait pas trop ce qu'il fait, il sait pas où il habite, il envoie une merguez dans le bas du filet plutôt que d'avancer ici. Et là on voit, hein, sur les points importants, les décisions des joueurs, est-ce que j'avance, est-ce que je suis conquérant ou est-ce que j'ai le bras qui tremble un tout petit peu, et ça va faire écho à la prochaine palette. Ici dans ce match entre Zverev et Query, Query qui donne le premier et le deuxième set en choquant complètement en fin de set, mais surtout moi ce que j'apprécie particulièrement chez Sacha désormais, c'est... il veut avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès qu'il peut. Alors là, il va faire un coup droit dans un premier temps. Il va essayer d'avancer, il va temporiser un petit peu. La balle va être renvoyée par Query et ensuite, il va y aller, il va terminer au filet. Et c'est pas forcément le nombre de montées de la part de Sacha sur cette rencontre qui est significatif. C'est qu'il a maintenant intégré dans son arsenal technique et tactique cette volonté systématique d'aller vers l'avant, de terminer le point au filet, de profiter de son envergure. Et ça, bah, c'est ce qui fait la différence entre le Zverev un peu mou, un peu mollasson qu'on a connu avec un plateau de progression. Et là maintenant, en 2021, un mec qui a décidé de prendre son destin entre les mains, contrairement donc à Jérémy Chardy dans la palette précédente. Et on enchaîne avec la reco du jour, on se retrouve comme d'habitude à 17h tout à l'heure, là d'ici quelques instants sur Twitch, ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer pour un US Open Daily 3, on va revenir sur les matchs de la nuit dernière et aussi se projeter sur le programme de la journée. Pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers.